Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode du Let's Play Multijoueur sur Wakfu avec Zozo et Sylvos comme d'habitude. Eh ouais! J'en ai marre de voir vos tronches. Hein. Où il est beau! Où il est beau! J'espère qu'il mordit pas, par contre. Hein. Allez! Fais-moi ça, Louginac! Histoire principale, on continue! Pas Louginac, c'est un melou! En route vers le mont Zinit, entre deux bovis. On devait faire ça et donc Zozo a rattrapé aussi les quêtes hein, pour revenir avec nous. C'est ça. Faut partir. Non. À droite. Non. Non, non c'est bloqué. C'est où? Allô? Ah, si, si, c'est ici. Ah, c'est là, c'est là. Oh! C'est magnifique! Vous n'attraperez jamais une déesse? Et vous là? Ce gros bouffetou est à moi seul. Yaouh, allez, vite quand même. Elle court tellement. Vite, cette foutue déesse, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Hé, les larbins, tu es ces intrus, qu'elle ne nous dérange pas. Dépêche-toi, elle s'échappe. Il y avait un miaus, on est d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y avait un joli miaus. La tire au 4. Encore une fameuse grouillard. Oui. Bah ouais, c'est, ça fait partie du culte d'Ogrest donc. C'est vrai. Ouais, on rentre dans le lore, c'est bon. Tac. Une déesse, une déesse. C'est une fausse déesse. Voilà, les combats rapides. Bon, ça pète. En fait, il y en a deux en fait à l'intérieur du coup, on a vu quand ils ont sauté. Ils étaient deux en fait. Et on peut voir là les yeux. Jeu déguisement. Et on peut rentrer, c'est les piliers. Piliers sans PV, ah ouais, quoi ça sert. Vas-y, je vais tester. C'est juste pour dégager la glitch, je pense. Hein. Ça sert à quoi les je sais pas, y'a pas marqué. No ID. Bam. C'est rigolo, dis donc. Hein. Ça va réussir à le tuer. Pensez sur les gens. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ok. Tiens, pour la peine, je vais prendre sa place. C'est devenir pilier à la place du pilier. Bien sûr, hein, par rapport à notre niveau, la quête d'histoire ça va se faire facilement. En même temps, on peut suivre le scénario aussi plus facilement. Moi, je peux ellipser un peu les parties qui sont intéressantes, qu'on a déjà vues. Allez, un petit coup de fouet, bim. Retourne travailler. Ça part. Et c'est reparti. Ah ! Bouffe tout. Cheater. Oh. Avec des jolies crottes. Des Let's go. Tous les nids. J'ai leur patron, moi j'ai le chef de guerre bouffe tous les nœuds, je crois. Il est où? Ah, c'est chef de guerre sauvage, mais ça ressemble. On est en ligne! Avengers! Tintin! 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 Hop, bra break! Ça me démangeait, je voulais le dire. Eh bah écoute, ce sera dit, ce sera. Ce sera mis dans la vidéo. Exactement. Ce sera pas. Tu verras ta copine. Et ils se poseront la question, mais de quoi? Eh bien, ils devineront. Allez, ferme. Ah, je voulais les ramasser, mais. On peut pas. Ah, ouais. Et vous là, venez protéger la réincarnation de la déesse que je suis. Mais c'est vraiment une faveur que je vous fais. Mais vous êtes la fille de tout à l'heure. Je ne suis pas la fille, je suis la réincarnation même du duo Samodas. Comment veux-tu que je le sache? C'est une évidence. Nous vous attendons des tours. Pour vous jouer des mauvais tours. Partout où nous allons, nous semons le chaos. Afin de laisser le monde sombrer sous cette eau. Afin d'étendre le pouvoir du culte de Grest jusqu'au plus haut sommet. Pour enfin écraser les serres de Datura et les aventuriers. Jimmy! Chance!
la team Croquette, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous pour que le chaos prospère. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Toi là, donne-nous ton ocarina. What the fuck? De suite, on te le prendra par la force. Vous ne l'aurez jamais. Vous allez devoir nous combattre. Pourquoi je me retrouve mêlé à ça, moi? Déjà, c'est pas toi. C'est quoi qu'elle a dit, la réincarnation de la déesse? Ouais. C'est moi, le Samodas. De la légende, regarde. Bon bah c'est parti, Muse, Jamie et Jens. C'est ça. Et puis, la team Croquette composée de Jens, Jamie et Muse possède plusieurs faiblesses et points forts qu'il faut prendre en compte afin de les vaincre. Tout d'abord, le duo Jamie et Jens est puissant. Faites attention à ne pas les laisser en profiter. Muse compte énormément pour eux. Donc en gros, il faudrait niquer lui en priorité. De qui? Leurs invocations sont leur meilleur outil de combat, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté, bien qu'ils en aient trois chacun. Muse continuera à se battre tant qu'il n'est pas seul. Jamie et Jens se battent l'un pour l'autre jusqu'au bout. Les mettre tous les deux à terre peut être la solution. Voilà. Ok. Chose dite, chose faite. Son style est quand même. Elle s'appelle Mimi la Merveilleuse, du coup. Elle a une belle queue, dis donc. Y'a pas que ça, hein. Effectivement, on a une belle vue d'ici. Oh, pervers. Le petit zoom du plaisir. De quoi tu parlais? Moi, je parlais de sa tignasse, franchement, elle est belle, ça. Guidandine. Là, tu vois, mon pilier à côté, il est comme ça. Dégueulasse, petit boss. Krabimi, je te choisis. Il envoie des Pokémon. Il y a un Krabi. Sympa la ref. Sympa. Venez voir moi, elle fait du crabe. Voyons, voyons. Et qu'un sous les oreilles agito. Ah, j'espère qu'il y aura de belles images sur le net pour pouvoir les mettre en miniature parce que c'est excellent. Et en plus, Krabimi lance le sort tir de sable. Jet de sable, ça fait penser ouais, à la. Ouais, bah ouais. Il y a aussi tir debout. Ouais. Au revoir, Miaouz. La team Croquette s'envole vers notre cieux. Elle a rien foutu, mais. Oui, mais elle est merveilleuse. C'est gentil, je pense à nous. On a eu un trophée. Un trophée, ouais, c'est pour. Bovis, ça, c'est Bovis. Lui. Bovis. Le roi Bovis. Partout à Tis. Au bon lait de Bovis. Il va mourir, lui. Il va mourir, fils. Tu sais, mon fils, je t'aime, mais tu vas mourir. Il y a Mimi qui est avec nous aussi. Il a invoqué un Rakayas. Rakayas. Un Rakayou. Au début, j'ai cru qu'il se mettait une deuxième barre de vie. Mais non. Là, je vois pas ses yeux. À qui? Bah, aux monstres. Ils sont où? On les voit pas. Ah, ouais, j'avoue. Ça dirait comme les vieux kebabs, les vieux chiens avec leur truc à leur. Le truc qui lève des cornes. Un peu comme moi, du coup. Voilà, les cornes. Bon bah. Voilà. Alors, Akaïs peut la tuer aussi. On va tout faire. Bah ouais. Travaille un peu. Voilà. Ouais, une statue. C'était bien trop facile. Heureusement que j'étais là. Ça n'a pas servi à grand chose, mais bon, comme convenu. Voici ta part pour avoir un souvenir. C'est bien retiré. Les poils. Merci. Oh, du. Mais où est-ce que c'est placé? On y va. Ciao, loser. Eh, elle a un beau bout, elle. Objet très ancien à identifier. Elle est stylée. Elle était classe. Il y a mon beau voudé, tu vois okay. Loser. Ah bah du coup bah pour sortir c'est par là aussi. Ok. Yep.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Rapporter la laine rocheuse de Bovis à Magnum Barefoot dans la capitale d'Amakna. Magnum, c'est parce qu'il y a trop de monde. Ah, c'est bon. Ah, tu m'as demandé un autographe? Tu sais, je suis le chasseur le plus en vogue de cette année. Je te dis pas toutes les visites que je reçois par jour. Tiens, la laine. Je pense pouvoir te faire pleinement confiance. Je te donnais mon porte-bonheur, je te prierai juste d'en prendre soin. Et retour à l'archéologue. Eh ben, oh, allez, c'est reparti. Et on est retour. Ouais. Moi, tu es mon. D'ici et d'ailleurs. Tiens. Parlez à Jean-Ri Ounce Senior au bibliothèque d'Astrub. C'est la nana au bibliothèque. Tiens mon ami. J'aurais mis la main sur l'un des oracles que nous recherchons. Alors? Quelque chose à propos d'un chaleur dégagé par un métal. Oui, il semblerait bien. Nécessairement fait-on un vieux rimard couvert de terre qui sent fortement le compost. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? On est foutu, Grog va nous écraser. Moins fort, il va nous entendre. Bien sûr, je vous entends, bande d'idiots, approchez. Alors, vous m'avez apporté l'artefact. Eh bien, il y avait de gros aventuriers, genre au moins 12 quoi. Taisez-vous, un seul à la fois, commence Jamie. Et sois très clair et très précis. Alors, on a suivi la fille, elle cherche à capturer un vieux bouffe tout puant. On avait réussi à le coincer, c'est là que les 15 aventuriers ont débarqué. On s'est battu jusqu'au bout, mais 20 adversaires enragés, c'était trop. Alors, on s'est replié pour élaborer un meilleur plan, afin de vaincre ces 30 guerriers sanguinaires. Il suffit, retournez-y et ramenez-moi l'artefact. Hac, 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 hac. Oui, chef. Quelle bande d'abrutis. Allez mon bouffonnet, on va voir si tu m'écoutes bien. Assis. Couché. Fais le beau. Vas-tu m'écouter à la fin? Arrête tout de suite. Stop. Stop. J'ai d'arrêter par les cornes de Samadas. Pourquoi ça arrive toujours qu'à moi? Pourquoi il était sur toi surtout? Atteindre le niveau 25 et gagner un combat, retrouver Jean-Ri Ounce Junior à l'université bontarienne immatérielle dans région de Kara Bonta au village de... Ouais bah dis donc. Ok. Ça en fait de l'information. Va falloir qu'on continue aussi les quêtes de l'école de peur magie. Ça, je tiens à dire quand même que Giovanni a bien grossi. Hein. C'est pas Giovanni, c'est... Enfin, Giovanni, ouais, c'est... Comment il s'appelle c'est le truc de Tortue Ninja? Aklank, Raklank, je sais pas quoi. Crank. Crank, ouais, peut-être ça. Donc il fallait où les... À Bonta. À Bonta. Le mec fait de la guitare là. On va laisser voir un petit peu à quoi ressemble Bonta. Franchement ce qui manque c'est vraiment une minimap. Hein. Une minimap ronde. Ce serait oui. Parfait. Alors fallait où? C'est ça là-haut? Ouais. À mon avis ça va être... Faut qu'on descende. C'est ça. Que trouver des chemins pour sortir des fois c'est compliqué hein, faut afficher la map, tac. Le chemin le plus sûr c'est de rester sur les grandes allées. Après quand t'es dehors ouais. C'est bon. Dispersion. Attends, est-ce que j'ai enregistré celui-là? Mais c'est bon. Donc c'est le chapitre 3 hein. Lubie. Ouais. Lui là. Arrive, j'arrive. Des dégueulasseries ici. Alors, bonjour jeune aventurier, que puis-je pour toi? Non, j'ai dû tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Bye. Eh faut gagner un combat. Ah, faut gagner un combat avant? Ah, ouais. Bon bah, on va faire un combat. Tu en as où? Là, j'ai vu des monstres. Subtil. Vas-y, y'a là. C'est une dépouille ça. Il est mort lui.
C'est pas grave, on va le retuer. Ah bon, on a tous cru que j'étais vivant. Et après, explique avec lui. Ouais. Ouais, je m'en occupe pour expliquer. Ouais, c'est très agile en plus. Le Cognos 68 est plus agité que nous. Alors, il paraît que tu as retrouvé la trace d'un deuxième Oricalc. Encore. Et où est ton université? Super mage, bref, tu m'as bien eu. Je te reparle dès que je suis prête. Ah, on est prêt, hein? Let's go. Je vais me rendre à l'université montarienne. C'est parti. Bah, ça ressemble étrangement au truc de peur magie aussi. Hein. Bah, en fait, c'est la même, en fait, je crois. Tout simplement. Faut aller dans le hall, du coup. Tiens, je crois que la statue a changé, non? Non, c'est la même. Ok. C'est la même. Faut rentrer dans l'université alors. Voilà. Dans l'université, ouais, c'est ça. Hop là. Ah non, dans le hall de Luby. Ça doit être la même chose. Et. Bah, faut parler à lui. Il alors. A pas mis un. Comment on va trouver? Savais-tu que 70% de l'archéologie se fait en bibliothèque? En lisant des livres. Attends, c'est aussi un livre. Oui. Yes. Attendez que ça. Des livres. Des livres. Yes. Là, il y a des livres à lire. Non, je vais pas échanger. Il y a des cartes qui se mettent d'un coup. Je vais te se faire avant. Ouais, il est temps, ne fais pas les mêmes. Il faut trouver le bon. Ah ouais, d'accord, bah, je savais pas. Je croyais qu'il fallait lire vraiment un livre. Attends, est-ce qu'il y a des livres là aussi, là-haut. Je vais faire là-haut. aux étages. On peut pas vraiment les lire, je suis dégoûté. Trahison. Histoire de Brakmar, volume 4. L'âme et l'arme. L'âme et il est où? Oh là, il faut tout lire. Vous avez tout fait en bas? Ouais, à peu près. Non, je crois qu'il y a des livres. À peu près. Ouais, à peu près, non. Là, celui-là, il est ouvert. Là-bas, il me tente bien, là-bas, avec l'étoile de sur le. Ah, l'étoile, je suis sûr que c'est celui. J'ai de bon tas. Tiens, il y a un livre avec des crayons de couleur. Enfin, un petit dessin, dessine-moi un mouton. J'avoue. C'est celui-là. Encyclopédie Shrélolithique, radius, circonférence et sinusoïdalité. Et bah, donc. C'est dur à dire. Attends, il marche avec un gougou en peine dans le. Je respecte rien. J'ai une autorisation spéciale. C'est bon, on sait où se trouve le récalque ou pas? Non, pas encore. Je vois, je vais devoir retourner à la bibliothèque, c'est ça? En fait, pas du tout. Je discutais avec un collègue il y a quelques heures. Il me disait qu'il allait à une conférence en utilisant précisément comme référence le livre dont nous avons besoin. On va visiter l'amphithéâtre. C'est vrai, ici. Il y a ici l'amphithéâtre. Des fois, il y a des portes, des fois, il y a des sorties. Ouais. Ok, récupérer le compendium bouillé sur le bureau du professeur. Bonjour les élèves, on fait que passer. On vole son livre. Ah, ça, il tourne le dos, hop. Bah, jeune présomptueuse. Bah, tu sais pas que je suis en pleine conférence? Si, je prends juste le livre. Si tu crois pouvoir me coller, papy, t'es mal parti. Envoie les questions. Oh shit. Ouf, what the fuck? Quel est le sous-titre de Dictationnaire Labrousse volume 36? Le bouffe-ball, un sport de yop. Non. Des définitions en veux-tu en voilà. Qui fait quoi? Ça marche pas. Qui fait quoi? J'ai fait des définitions en voiture en voilà et ça a pas marché. La première, t'as fait. A à Z, c'est pas lui. Ah, bonne réponse. C'était la troisième pour le dictationnaire. Bonne réponse. Maintenant, pour la deuxième question. Allez, c'est parti. Hein. Le dictationnaire 36, c'était la troisième réponse. Moi aussi. Réussi aussi. Oui. Quel livre porte le sous-titre Les mimiques des mimiques? Ouais, bon là je vais attendre. Deux heures, ouais, c'est mieux. Ah, c'est mieux. J'aurais dû attendre. Alors, aussi, j'ai voulu faire le show. Attendez, parce que moi il faut que. Déficient en plus, en voilà. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il s'appelle Professeur Grobid Kwan Kelnobi. Vous êtes à la deuxième question là? Ouais. C'est quoi votre question? Mimique. Moi aussi. Mimique des mimiques. Ah oui, ok. La quatrième réponse. Ok. Bonne réponse. Vas-y, je suis chaude. Eh oh. Quel scandale a provoqué la revue Antiropologie Illustrée en
33 numéro 42. Alors, c'est la réponse 2. 2. Bien joué, t'es trop fort, Zozo, comment tu fais? Ah, je suis cultivé, hein. C'est tout bon pour moi. Il est chaud. C'est bon, moi je suis bon. Ok, c'est bon, bah nickel. On est trop fort. Parce que je pense qu'il faut trouver des bouquins, des trucs comme ça, non? C'est bien compliqué, hein. Peut-être dans la bibliothèque, il y avait des trucs comme ça. Certainement. Et pour le calc? Ah si, John Buffett, ce modèle de coupe remonte à plusieurs centaines d'années. Bien avant le chaos de Grèce, il va nous falloir que... Attends, c'est la coupe qu'il y a eu dans le film? Hein? Qui parle là? On a gagné un livre de... Oui. C'est énorme, ce codex Buffbolium. C'est quoi le sport national de... De Wakfruit au plus? C'est Buffball. Buffball, oui. Oula. Oula, oula, oula. Parfait, j'ai les codex, c'est bon, Volium. Bientôt, nous aurons récupéré le calque et l'artefact du temple Dr. Podas. Bon et tout. J'ai laissé aucun survivant. C'est eux qui m'ont boulé, toi. Oh shit. Les livres, ils ont volé. Mais... Moi, je voulais lire. Moi, je trouve la déco un peu plus chaleureuse. Donc. Ah, un peu plus chaud. Les couleurs sont plus chaudes, on va dire. Tac. Voilà. Ah, je m'attendais pas du tout à un combat ici. Moi non plus. Le jeu ne veut pas me laisser le garder. Bon, après on va s'arrêter ici hein, pour cet épisode. On va être assez bien. Ça dépend ce qu'il nous demande le junior. J'ai perdu que... Grouilleux. Assassin grouilleux. Toc. Changement. Oh toc. Yeah. Et pourtant je vais dégager la puissance de mes attaques sur ça. Je fais ce que je veux. Voilà. Merci madame. Pas de soucis. Il reste celui du haut après. Ouais. Bien joué. La voie de la connaissance 3, un sale coup du culte succès. Retournez parler à Henri. Tout brûlé. Il y a encore des livres, regarde, tu peux les lire, mais ils sont cramés, mais tu peux les lire. Quel gâchis. Bon, c'est un peu le bordel. Parle-moi. Parle-moi. Merci. Genre, c'est terrible, les membres du culte de Grèce ont attaqué l'université et ont volé le codex Buffbolium. Quoi? Par tous les dieux, la bibliothèque. Papa, c'est discothèque, hein. En vrai, on peut continuer là. Je pense aussi. On va faire quoi? Aller sur le plan des portails élémentaires? Vas-y, allez, ça part. Ça part, monsieur. La voie de la connaissance. Ouh, c'est joli. Sautez. Bah, bon, on va s'arrêter là. Le vert, c'est joli. Moi, je propose le vert. Stylé. Vert, c'est les mojo. Mais on peut en choisir qu'un de toute façon. Mais ils peuvent choisir en commentaire ou pire. Ah mais on peut en choisir qu'un, moi je peux choisir que celui-là du le bleu hein. Je peux pas choisir les autres. Ah moi aussi je peux choisir que le bleu. Moi, le bleu. C'est triste. Bon, en tout cas, on sautera et eh bien pour le prochain épisode. On fait deux épisodes d'histoire. Fais ça comme ça. C'est ça. Ok. Allez sur ce, portez-vous bien, puis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Wakfu. Des bisous. Wakfu.